Coucou mes amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de l'année 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va aller regarder pas mal de domaines, vous allez voir. N'hésitez surtout pas à regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien aussi, bien entendu, si vous voulez avoir plus de détails. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager la vidéo ainsi que vous abonner ici en bas à droite si ce n'est pas déjà fait. On va commencer de suite pour vous, taureau 2023. On va mettre un petit peu le côté ombre-lumière, on va mettre le côté point fort, point faible, vos atouts, ce que vous avez comme atout dans la manche et ce que vous avez un peu moins, un petit coup. Allez, c'est parti pour les taureaux 2023, qu'est-ce qu'il y a comme atout dans la manche justement? Il va falloir vous préserver et vous allez savoir le faire parce que c'est ça, se préserver, c'est oui, d'accord, ok, merci pour l'info. Mais cette année, vous arrivez à combiner les choses concrètes et un peu moins concrètes. Vous allez savoir aussi gérer tout simplement votre énergie. C'est ça que ça veut dire. On est aussi dans des... j'ai la sensation d'entendre dire, j'entends des combats, mais on me dit non, c'est pas le mot combat, c'est la combativité, vous voyez? C'est un petit peu, je préserve mon château, je préserve mon énergie, je préserve ma famille, j'arrive à consolider certaines choses. Peut-être que vous allez mettre sur votre forteresse, je sais pas, des tours, voilà, mais en tout cas... On a la sensation qu'au niveau énergétique, on arrive déjà à bien bien gérer peut-être les aléas du train-train quotidien. Ça va être peut-être aussi s'il y a des personnes qui peuvent vous critiquer, vous juger. Eh bien, ça va passer crème. Ça va vous passer dessus un petit peu comme la blanche colombe qui n'est pas atteinte par la bave du crapaud. Voilà sur les énergies du taureau. Moi, ça me fait penser aussi à des énergies aussi de jouvencelle. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ouais, j'ai la sensation avec cet écu, hein, ce bouclier, que il y a rien qui peut vous arriver. Vous êtes la jeune jouvencelle. Vous savez, avec le chapeau là du Moyen Âge là en pointu. Avec l'espèce de voile là qui sort en haut. Et on a des énergies très jeunes. Là, j'ai le taureau qui est très très jeune, qui est dans des énergies de... Mais oui, j'y arrive. On ressent aussi ça. C'est comme si le temps ne passait pas sur vous. C'est comme si vous étiez jeune éternellement dans votre cœur et dans votre esprit. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on est vraiment sur des énergies où... Ou du coup, on arrive à un petit peu tout faire et on voit... alors, il y en a qui disent « Ah ouais, mais c'est comme un peu nier ces énergies. » Non, c'est des énergies de fontaine de jouvence. Vous voyez? J'ai vraiment ça. Ce qui va un petit peu être dans la faiblesse cette année, c'est la spiritualité. Ah, mes amis taureaux, peut-être que vous allez avoir moins de temps à accorder du coup à la spiritualité, peut-être que vous allez avoir envie de faire certaines choses, mettre en place certaines choses de ce côté-là, mais ça va prendre peut-être plus de temps que prévu. Ça, j'ai la sensation que si vous êtes dans des formations ou si vous vraiment vous aviez envie de vous mettre à jour sur certaines techniques ou si vous aviez envie d'apprendre, à tirer les cartes, ou si vous aviez envie de lire certains livres, eh bien, ça va peut-être rester que de l'ordre du projet. Vous voyez? Ça, on a cette sensation-là. Et ça va peut-être, du coup, vous agacer, vous déséquilibrer. Mais j'en ai besoin de ça dans ma vie. Mais pas assez de temps à votre valeur, hein, à votre estime. Je passe pas assez de temps à prier, à travailler sur la loi de l'attraction, tout ça. Je n'y arrive pas. C'est pas encore ça. Je voudrais mettre plus de temps, je voudrais faire plus de choses, je voudrais aussi m'équilibrer un petit peu plus là-dedans, mais on est plutôt plus sur le côté énergétique, côté du corps, côté des cinq sens, c'est un peu moins du coup du côté de l'esprit. Si vous aviez vraiment envie de développer cette part-là, le troisième œil, tout ça, vous allez avoir un peu moins de temps. C'est pas de votre faute. C'est pas votre faute. On va aller voir pourquoi. Parce que justement, peut-être tous les autres domaines sont remplis. C'est peut-être ça. Côté carrière professionnelle, travail, argent. Stratégie. Là, il y a carrément des taureaux qui vont devoir mettre en place l'échiquier. Vous allez ressortir les pions noirs et les pions blancs. Et ça va être peut-être de gagner une joute. On le voit, hein, le côté... C'est pour ça que j'avais tout à l'heure combat, mais j'avais plutôt le côté combatif. Vous êtes combative. C'est-à-dire que vous n'allez pas du tout rester en marge
dans votre château, hein, tour d'ivoire. Non, vous êtes en train d'élaborer des plans, d'élaborer justement avec des listes. Alors, il faut que je fasse ça, ça, ça. Dans mon travail, j'ai la sensation que je veux des choses. Enfin non, moi j'ai la sensation que vous voulez mettre des choses en avant. Vous voulez peut-être vous mettre en avant. Vous avez envie de... Pourquoi pas d'être dans une reconversion professionnelle? Vous avez peut-être envie justement de passer la seconde vitesse, accéder à des postes un peu plus importants, ou vous êtes en train d'essayer de trouver du travail, mais il faut quand même réfléchir avant d'agir. Vous voyez, les échecs, c'est ça, c'est on va essayer de parer les coups à l'avance. Si je déplace mon pion de ce côté-là, est-ce que la tour va pas, voilà, m'aspirer mon pion? Si je fais ça, je vais peut-être être échec à la reine, échec au roi, enfin voilà. Donc là, on a la sensation que vous êtes vraiment en train d'étudier un petit peu comme un espion, peut-être d'essayer de pas vous faire avoir au niveau du boulot. C'est comme si vous étiez dans cette anticipation. Vous allez essayer de tout anticiper, de penser à tous les plans, de penser un petit peu à tous les scénarios qui pourraient être au-devant vous et d'être gagnant ou gagnante à tous les coups. Parce que on a vraiment dans l'énergie des taureaux qui savent peut-être pas forcément où est-ce qu'ils vont au côté professionnel, mais ils savent justement où est-ce qu'ils ne veulent plus aller. Voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens au niveau du travail. Même signer des contrats, vous voyez, vous allez vraiment vouloir être le grand et la grande gagnante. C'est fini là, le taureau qui se fait avoir par ses collègues, par son patron, tout ça. Non, là c'est fini. Vous avez vraiment envie de passer à l'action et que ça vous serve. Du côté de l'argent, finance et richesse, vous travaillez sur la loi de l'attraction. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'on est dans l'énergie du 8. Vous allez maîtriser cette énergie, justement, vous allez maîtriser l'argent. Donc, ce n'est pas une année où vous allez manquer. Et même si vous en manque un petit peu au début, vous allez savoir l'appeler à vous. Vous allez savoir commencer à être dans cette loi d'attraction, de cette loi de l'intention. Mais vous allez réussir du coup à communiquer avec cette énergie. C'est j'ai besoin par exemple d'argent pour, je sais pas, pour me payer une formation. J'ai besoin d'argent pour construire peut-être, je sais pas, une annexe à votre maison. Voilà. Eh bien, c'est cette loi de l'intention où avec votre esprit qui est très très fort, votre charme aussi, on a l'impression que vous gagnez, vous êtes combatif et combatif, c'est ça en fait. Regardez cet homme qui sait comment il faut faire en fait, il sait comment on signe un contrat. Et vous êtes charmeur, charmeuse, et c'est même un petit peu que j'ai la sensation, vous savez, le fakir avec sa flûte qui sait charmer le serpent. Et bien là, vous arrivez à faire sortir justement l'argent de la jarre, et on a la sensation qu'effectivement, eh bien, c'est pas une année où vous manquez. Et encore une fois, s'il y en a un petit peu moins dans votre portefeuille, eh bien, il arrive tout simplement un petit peu à vous. Et ça, c'est un petit peu mystérieux et mystérieuse. Vous me direz dans les commentaires comment vous faites. Comment vous faites pour attirer l'abondance. Alors, au niveau de l'ego, du soi, la vie sociale et la communication, comment est-ce que vous communiquez avec vous-même et comment est-ce que vous communiquez avec les autres? Eh bien oui, l'argent, l'attraction, la chance, ces coups de joker, ces coups de jackpot, ça arrêtait pas de me gratter depuis tout à l'heure le nez avec vous, c'est incroyable. Vous avez le flair, c'est ce qu'on me dit. Vous avez le flair, vous avez l'intuition. Là, on est sur des taureaux, mais qui sont dans une intelligence d'esprit, une vivacité et une rapidité d'esprit et de communication et d'action. C'est... L'opportunité, elle est là. Vous savez la saisir avant les autres. Je t'ai grillé au poteau, mon petit gars. Et hop, vous le mettez en plus, eh bien, dans le money, dans le porte-monnaie. Mais c'est une très, très bonne année sur tout ce qui est concrétisation. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit peu moins de ce côté immatériel. C'est que, oui, ok, vous vous connectez un petit peu à ce côté intuition, intention, mais... ça match directement du côté matériel, concret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça se place là, sur la table, avec les cartes, avec les chéquiers. C'est là. Je bouge mon pion, je remporte la victoire et c'est banco cash. Donc, au point de vue communication, effectivement, vous avez une facilité. Vous avez une facilité.
Purée, mais c'est pas possible. Encore, elle a eu la chance. Encore, il y a eu ça de son côté. Encore, ça se passe bien. Vous attirez les gens un petit peu. C'est ce que je dis, vous êtes charismatique en fait. Vous êtes auranique, on le dit hein, des fois en spiritualité. C'est-à-dire que votre aura, elle attire tout le monde en fait. Vous êtes la lumière. C'est un petit peu cette façon-là qu'on peut le dire. Alors du côté des amours, l'union, le partage, l'amour, toujours l'amour. Ah, il y a une pause. Alors, la pause, ça veut dire... C'est pour ça que j'associe toujours un deuxième jeu là-dessus, parce que l'amour, c'est un sujet qui est assez vaste. Ah, la pause et le temps. Alors, du côté du cœur, on a... C'est peut-être ça aussi qui peut un peu déséquilibrer. C'est ce que je vous ai dit, il y a un côté peut-être déséquilibre. On voyait que c'était par rapport à ce domaine de la spiritualité, mais ça peut être aussi l'amour inconditionnel. On a la sensation que peut-être... Il faut du temps pour mettre en place des choses profondes. Donc, si vous êtes sur des débuts de rencontre, avant de vous établir ensemble, il va falloir, peut-être parce qu'on a les autres domaines aussi, hein, vous voyez, on a peut-être une belle rencontre, on attire peut-être des gens, mais vous n'avez pas envie de vous lancer de suite. Vous êtes aussi dans la stratégie, on le ressent, et on est aussi peut-être sur ce côté combatif, peut-être qu'il y a eu aussi des taureaux qui se sont fait avoir avec d'autres personnes au point de vue amoureux. Et on a vraiment besoin absolument de tout bien étudier. Alors d'étudier la personne que l'on a en face, hein, peut-être parce que si vous devez vous mettre ensemble, vous voulez être sûr et certain et certaine. Voilà, ça j'ai vraiment cette sensation. On a aussi des couples qui sont peut-être aussi dans le stand-by, voilà. Ou si vous êtes dans une relation compliquée, il va peut-être besoin de faire un break. Peut-être aussi de laisser passer un peu le temps si vous avez le cœur qui est meurtri, avant de nouveau d'être disponible. Ça peut être ça aussi. Mais le côté du cœur, on a la sensation qu'effectivement, il faut laisser tranquille. Alors, si on est en couple et si tout va bien, c'est voilà, ça l'a laissé tomber, hein, laissé de côté. Mais peut-être aussi que si on est en couple, on a besoin de prendre du temps ensemble, vous voyez, aussi. De faire une pause, de partir en week-end, peut-être parce que, je sais pas, les enfants, le train-train, la routine, ça vous bouffe. Peut-être le côté professionnel, ça mange aussi le couple. Et peut-être aussi de partir ensemble, faire un break, tous les deux, les mains dans la main, amoureux et amoureuses. Alors, créativité, plaisir de la vie, mais qu'est-ce que l'on a du côté des taureaux pour vous? Ouh, la tromperie. Vous prenez pas de plaisir là. Vous prenez pas de plaisir. Ça va être compliqué pour vous cette année un petit peu de prendre du plaisir. On le voit justement, on vous intime justement peut-être à partir un petit peu sur des cours, des cours week-end, des choses comme ça. C'est un petit peu compliqué pour vous cette année peut-être de partir à deux. Ça peut être ça. Côté créatif, côté enjoy hein, de la life. C'est vraiment ce côté travail, ce côté argent qui vous fait peur. On a la sensation peut-être qu'il y a eu un manque de l'abondance. On a eu peur au point de vue sécurité, stabilité. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est sur ce côté combatif. Le boulot, la vie sociale, c'est vraiment très important pour vous. Mais peut-être du coup, eh bien, ça a trait à la spiritualité. Vous voyez, ce côté de « fais attention mon petit taureau, tu prends beaucoup ». Tout ça, ça prend beaucoup de place, tellement que côté amoureux, c'est un peu mis entre parenthèses. Côté créativité, plaisir de la vie, ben, c'est aussi entre parenthèses. Côté spiritualité, c'est un peu entre parenthèses. Fais attention, petit taureau, là, il y a beaucoup de choses, vous mettez beaucoup d'énergie là-dessus, mais au détriment peut-être d'autres choses. Et est-ce que cette carte vous engage à vous dire, fais attention là, tu te trompes peut-être un petit peu et tu n'as pas assez... de ce côté enfant intérieur où on se sent bien. Et le côté aussi un petit peu sexualité, sensualité qui ressort aussi au niveau de ce domaine-là. Donc, est-ce que vous êtes en train de faire une pause avec quelqu'un qui vous a trompé? Ça peut être le cas aussi. Alors, côté maison, cocon, famille, qu'est-ce que l'on a du côté du home sweet home? L'argent. L'argent, money, money, money. Encore une fois, alors peut-être que, ça je le dis pour certains taureaux, vous allez trouver la maison de votre rêve et vous allez l'acheter. Ça c'est clair, ça peut ressortir si vous êtes dans ce projet là. Ça peut être aussi mettre du coup de l'argent dans votre maison, donc améliorer l'habitat, c'est clair et net. Mais il y a aussi ce sens de, je fais attention
à l'argent qu'il y a dans ma famille. C'est-à-dire que là, on ressent qu'il y a des taureaux qui sont carrément gestionnaires. Et peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Vous empêchez de vivre. Rappelez-vous, c'est... Bon, alors, je fais mes comptes. Alors, là, on a dépensé ça, il nous reste ça. Bon, ben là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, je vous le dis, là, pour les 6 prochains mois, on fait plus rien, on sort plus, on a... Non. Essayez de vous lâcher la grappe, surtout que... Si vous êtes un petit peu dans ce manque d'argent, dans ce manque d'abondance, rappelez-vous, la loi de l'attraction, ça va vraiment être une loi importante pour vous, de cette intention d'appeler l'énergie de l'argent. Alors, si vous manquez un petit peu, du coup, vous savez comment le travailler, vous voyez? Mais on a d'autres taureaux qui du coup, ben, ils sont tellement bien dans la gestion que ben, ils vont se permettre justement de faire des choses, mais pour la maison, pour la famille, mais surtout dans des travaux ou dans de l'achat d'un cocon, hein, vous voyez, dans l'achat d'une nouvelle maison, d'un nouvel appart. On est pas mal, mais il y a certains taureaux que ça va peut-être stresser du coup. Vous voyez, le fait que l'argent, je vais le perdre peut-être, voilà. Mais d'autres taureaux qui vont être bien, hein, qui vont être en harmonie avec ça, parce que c'est important pour vous. Côté du santé, corps, bien-être, on en a parlé tout à l'heure, se préserver, le repos, on est bien, on se sent bien. On insiste tellement aussi sur ce côté social, ce côté hôte, ce côté extérieur, ce côté professionnel, qu'on a aussi besoin de se reposer. Ne l'oubliez pas, ce côté créatif, ce côté plaisir. Eh bien, par ce côté financier, on a l'impression que l'énergie de l'argent est hyper importante là pour vous cette année. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le côté spirituel qui est un peu moins important, cette sécurité. Parce que le double 4, on est encore dans l'énergie de l'argent, le 8, mais on a la sensation que si vous êtes en sécurité, si vous êtes stable, si vous avez de l'argent, si vous vous sentez vraiment en sécurité, c'est pas forcément avec de l'argent, mais si vous sentez en sécurité vous, dans vos principes et dans vos valeurs, mais tout va bien. Vous vous sentez bien et vous vous permettez du coup de vous reposer. Si le taureau se sent bien parce qu'il est sécurité, il est secure comme on dit en anglais, eh bien il peut se lâcher la grappe, il peut lâcher prise et du coup il peut cheminer vers ce petit côté esprit, ancêtre, développement personnel. Il peut du coup se lâcher la grappe et se permettre de faire autre chose et être farniente un petit peu. De côté esprit, ancêtre, transformation et développement personnel. Où est-ce que l'on est? Et oui, on vous dit que la passion est là. On vous dit que vous avez envie de faire quelque chose. Ça vous botte là. Ça vous botte. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie d'un petit peu d'incorporer du sel, du sucre dans votre vie. Vous avez vraiment envie de faire une chose qui vous tient à cœur. Mais il y a ce côté encore toujours pro-sécurité qui vous empêche. Voyez? Et pourtant, il va falloir l'incorporer. On vous le dit, c'est important. Alors, l'apprentissage, justement, dans votre vie, dans votre 2023, qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre? Alors, on a la pyramide du côté ascendant, mais aussi on a la pyramide un peu du côté descendant. Alors, est-ce que ça va être à votre avantage, désavantage? Qu'est-ce qu'il va falloir apprendre, justement? La fée abeille, ma vie est douce. C'est une très belle carte pour vous faire comprendre que ce petit côté épicurien, rappelez-vous, qui va vous manquer un petit peu, ça me fait penser encore une fois, vous voyez, aux esprits, à l'ange avec les ailes. La fée abeille, pour moi, c'est l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Elle travaille, c'est une travailleuse, mais elle va être aussi contemplative et elle peut aussi revenir de temps en temps à la ruche et faire, bah, du coup, bosser un petit peu tous les autres. Et c'est aussi se reposer et regarder tout autour de vous. Qu'il est bon de rien faire quand tout s'agite autour de vous, c'est ce qu'elle vous dit. Prenez soin de vous, rappelez-vous, préservez-vous. On a la sensation aussi qu'on est dans des énergies de « oui, j'arrive à tout faire fructifier ». Et quand je suis en sécurité, eh bien, je suis revenue dans le 6. Le 6, c'est mon équilibre. Voilà. Donc, c'est vraiment une énergie où vous travaillez, hein, cette année. C'est vraiment important pour vous de ne pas être dans ce manque. Manque affectif, manque d'argent, manque de quelque chose, on le ressent. Mais pour vous, dès que vous l'aurez acquis, c'est bon, ça sera passé. Vous allez pouvoir, du coup... vous délasser. Alors, j'ai envie de prendre la triade pour vous. Non, pas la triade, n'importe quoi. L'oracle de G. Alors, c'est l'oracle de G ou la triade? Ah, ça va être moitié-moitié. Ok. Donc,
On va faire les 6 premiers mois avec l'oracle de G. Tac, tac. Oh, bah décidément. Tac, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et on va prendre la triade. Hop, je retourne les cartes. Et on va faire juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre pour vous. Hop, il a besoin d'être un petit peu plus mélangé. Voilà, est-ce qu'il va bien, mon petit oracle de la triade? C'est bon. Alors, on va être sur juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, c'est parti. Les taureaux, janvier, février, mars. Je les mets à l'endroit. On va y arriver. Tac. Ben là, on est plutôt pas mal quand même. Une belle évolution dans l'amour et ça vous donne vraiment de l'équilibre. Donc, il y a vraiment des taureaux où une rencontre est fort probable. Ou du moins, on a la sensation aussi, le 6, c'est le choix. Vous êtes vraiment sur ces premiers mois où vous vous sentez bien. De toute façon, on le voit, il y a la chance, il y a l'attraction, rappelez-vous. Il y a ce côté aussi stratégie. On est vraiment dans une ascension, hein, là, ces mois-ci. Sur ces trois premiers mois, je vais y arriver, janvier, février. Janvier, on est vraiment dans des énergies où on planifie. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes en train de construire. C'est vraiment l'échiquier, hein, c'est la stratégie. C'est, je suis l'architecte de ma vie, je sais où je vais. Je fais des choix dans au mois de février. Ça peut être des choix de cœur aussi. Rappelez-vous, faites attention aussi, il faut au niveau du cœur s'équilibrer, il faut aussi prendre du temps pour soi. Vous reconnaissez peut-être qu'il est peut-être temps de partir, j'en sais rien, un week-end à la montagne ou un week-end, je ne sais pas, faire enfin, ce que vous voulez. Voilà. Et cet équilibre est bon, on se sent bien. Jusque-là, tout est bien maîtrisé sur ces trois premiers mois. Alors, je savais que ça allait arriver à un moment donné. Sur le mois de avril, mai, juin, on est dans des énergies un petit peu plus compliquées où vous allez devoir vous séparer de certaines choses. C'est peut-être aussi ce coup de la pause, la tromperie. Il peut aussi avoir des taureaux justement qui sur ce mois d'avril, eh bien un petit peu tout s'écroule. Il peut avoir un accident de vie dans le sens où il y a des choses du coup qui, ben, où vous allez vous éloigner. Hein? Donc, l'accident c'est ça, c'est se couper de certaines choses. Donc ça peut être bien entendu amoureusement parlant, vous séparer de certaines personnes. On a un petit peu le monde des esprits, hein, des ancêtres qui reviennent au mois de mai, au mois de mai, qui vous dit, ben, n'oublie pas ces trois premiers mois, comment tu avais fait pour un petit peu t'équilibrer. On est aussi dans la sensation que un mois d'avril un petit peu compliqué, voyez. C'est là où vous allez commencer à vous dire, aïe, j'ai peut-être fait certaines choses, mais du coup l'argent est en train de m'échapper. Du coup, on est un petit peu plus dans le stress sur ce mois d'avril. Le mois de mai, on se dit, bon, on a des ancêtres, on a des esprits qui viennent vous parler. Ça peut être aussi la reine des abeilles, hein, qui vient vous dire, mais comment tu fais, comment tu faisais là au mois de janvier, février, mars, ça fonctionnait bien. On est en train de vous aider. C'est un mois où on vous aide. Sur ce mois de juin, il y a des choses inattendues. Peut-être que la passion revient. On a peut-être aussi une compréhension qu'il faut peut-être se reposer. Peut-être parce que il faut peut-être prendre du temps aussi pour soi, pour son couple. On a la sensation que là, on est en train de faire des projets à court terme. C'est quand la carte du point d'exclamation sort, c'est des choses qui sont à court terme. Alors, du côté juin, juillet, août, septembre. Juin, il y a un petit rappel à l'ordre. C'est la carte du jugement. C'est jusqu'ici, peut-être que tu avais été déstabilisé là, sur ces trois derniers mois, là, sur ce mois de mai, juin, avril, mai, juin. Ça vous a un petit peu, du coup, décontenancé, stressé. Rappelez-vous, vous êtes tourné peut-être beaucoup sur le professionnel. Il y a peut-être des choses qui tombent ou il y a peut-être des choses qui vous ont, du coup, un petit peu stressé. On le voit vraiment. Mais, du coup, sur ce mois de juillet, vous vous rappelez vous-même à l'ordre. C'est, ok, il y a l'inattendu qui est passé par là. Peut-être qu'il y a un peu moins d'argent, peut-être un peu moins de sécurité. Mais là, on ressent que vous reprenez un petit peu les rênes. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure, la reprise de rênes. Alors, je vous en ai pas parlé, mais c'est la passion. Le 10, c'est ça. C'est, je reprends en main ma vie.
Peut-être que je vais revenir dans mon château. Je vais peut-être du coup repartir sur le côté combatif. Mais on a du coup ce côté stratégique qui revient. Mais ce que vous avez mis en place au mois de janvier, février, mars, ça paye au mois d'août. Voyez ? En plus, c'est un bon mois, le mois d'août, puisque c'est un mois 8. Et le mois 8, c'est, bah, forcément, c'est l'énergie de l'argent. Donc, vous voyez, tout ce que vous avez mis en place en début d'année, ça fonctionne et ça paye au mois d'août. Au mois de septembre, on a l'adversaire. Peut-être encore une fois qu'on a une redondance de cycle. Ou peut-être que ce coup-ci, la personne qui vous a trompé... Alors, faites attention, ça peut être aussi une femme hein, qui s'initie dans votre couple... Ça peut être ou quelqu'un de très moralisateur aussi, hein, parce qu'on n'a pas forcément que l'ancêtre qui est ressorti là. Moi, j'ai plus la sensation de l'ancêtre, mais l'adversaire, ça peut être justement soit vous-même dans cet autoblocage, soit que vous vous rendez compte du coup que vous avez mis trop... vous êtes trop appuyé sur ce côté professionnel. Vous voyez, ce domaine professionnel, l'argent, sécurité, ça vous a peut-être... Alors oui, vous en payez, vous en avez les fruits, mais peut-être au détriment de quelque chose. Alors, alors là, on est dans de bonnes énergies à la fin de l'année. Peut-être qu'il y a aussi un petit moment d'introspection qui vient. Mais octobre, novembre, décembre, des très beaux mois pour profiter. Vraiment, vous allez profiter, vous le sentez, de toute façon, c'est la clé. C'est que tout ce que vous avez mis à profit, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez du coup récolté au mois d'août, eh bien ça revient encore. C'est une énergie qui se poursuit avec ce petit bémol. Vous comprenez d'ailleurs que l'adversaire, ça peut être vous. Ça peut être aussi une personne que vous avez décidé de quitter amoureusement. Ça peut être ça aussi. Mais on a la sensation quand même qu'on est sur une belle énergie de fin d'année. Le désert va annoncer, hein, on le verra sur la fin de l'année, va annoncer peut-être une période où vous allez devoir être dans une introspection de vie. Ou peut-être que ça va... Vous avez profité un petit peu, hein, là, vous voyez. Et après, du coup, vous allez être très fatigué. On a la sensation aussi, quand on a la carte de la préservation qui revient, ce peut-être un peu côté combatif qui va vous épuiser. Et ce qui vous manquait, ben, c'était de vous retrouver face à vous-même ou avec vos ancêtres, vous voyez. Moi, j'ai la sensation aussi que l'ancêtre qui est là au mois de mai, là, elle va revenir au mois de décembre et elle va vous dire « Ok, tout ça, c'est bien, mais est-ce que ça t'a rempli, ma fille, mon garçon, là? Est-ce que tout ça, ça t'a rempli? Est-ce que tu es satisfait, satisfaite? Ok, mais est-ce que dans l'âme, est-ce que dans le cœur, est-ce que tout ça, ça t'a apporté ?» Rappelez-vous, on avait la sensation aussi que peut-être la passion, où est-ce qu'elle est? La passion, elle revient sur le devant de la scène. C'est peut-être ça l'essentiel de votre vie, c'est de découvrir ce qui vous anime. Voyez mes amis taureaux, oui c'est ça, taureaux, on est au taureau, on est bien là. Voilà mes amis taureaux, donc cette fin d'année, on va peut-être glisser justement après sur quelque chose de beaucoup plus spirituel, de quelque chose que vous aviez voulu faire depuis toujours et du coup, vous allez le mettre en place, peut-être vous allez devoir y penser plus fortement sur ce mois de décembre en tout cas. J'espère que ça vous a plu, mes amis taureaux, fées, abeilles. Je vous retrouve très très rapidement sur de prochaines guidances. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ainsi qu'à vous abonner ici en bas à droite au niveau de la chaîne. Je vous retrouve très prochainement et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao mes amis taureaux.